Bonjour à tous, c'est Vénérius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le sac banane dans le style Balmain. C'est un modèle tout simple et pourtant le design et les associations de couleurs sont vraiment canon. Évidemment, comme d'habitude, j'essaie de refaire à ma sauce et il y a très longtemps, j'ai eu un vrai coup de cœur pour un design de tissu, d'ameublement juste magnifique. Ce design correspond parfaitement pour cet imprimé. Franchement, j'ai presque eu de la peine de couper le tissu. Donc, vous l'aurez bien compris, comme tous les sacs, il faudra choisir votre tissu dans la section ameublement. Le tissu doit être suffisamment rigide. Ce qui est joli et ce qui rend un rendu professionnel, c'est vraiment quand on pose le sac, qu'il ne bouge pas, qu'il reste vraiment debout, qu'il garde sa forme et surtout qu'il soit pas abîmé par la manière de le porter, qu'il soit pas trop écrasé et tout. Donc, c'est vraiment très important d'avoir une matière rigide. Et si, comme moi, votre tissu n'est pas assez rigide, vous devrez utiliser un thermocollant et si possible un thermocollant tissé car ceux-là sont plus épais et sont plus résistants. Pour le tissu extérieur, 30 cm vous suffiront largement. Sauf si comme moi vous avez choisi un tissu imprimé, je vous conseille de prendre au moins 50 cm pour avoir un peu de marge pour réaligner les motifs. Mais voyez en fonction de votre motif, si c'est un carreau, si c'est un canevas, si c'est un imprimé, si c'est au cas par cas. Et vous devrez prendre le même métrage en thermocollant si vous le thermocollez. Encore une fois, c'est au cas par cas. Il vous faudra aussi un tissu qui fera office de doublure. Et pour ça, il n'est pas forcément impératif d'acheter ce tissu. Je vous conseille de garder vos vieux vêtements. Parce que là, pour le coup, on peut vraiment faire des économies sur la doublure. En récupérant vos vieux vêtements, on a largement ce qu'il faut pour doubler votre sac. Encore une fois, 30 cm feront largement l'affaire. Il vous faudra du simili ou une matière qui fait contraste avec l'autre tissu que vous avez choisi. Attention tout de même à ne pas choisir un simili cuir trop épais, parce qu'on va avoir trois épaisseurs de simili cuir. Vous aurez besoin de bandes aussi pour attacher le sac, ou alors vous pouvez les fabriquer. Pour ma part, j'ai choisi des bandes en polyamide de 38 mm, mais là, vous pourrez modifier la valeur des bandes. Et il vous faudra une attache clip de la même valeur que les bandes que vous allez faire ou choisir. Vous aurez besoin d'une fermeture. Pour ma part, j'ai choisi une fermeture en métal, elle est beaucoup plus longue, mais je vais la diminuer en retirant des dents au bord. Et sinon, pour faire plus simple, vous pouvez choisir des fermetures qu'on appelle en plastique injecté. On peut coudre facilement dessus sans casser d'aiguille, sans que ça fasse de marque ou quoi. Et c'est très pratique et plutôt résistant. Et aujourd'hui, elles sont très belles, elles peuvent imiter le doré, l'argent, et il peut y avoir plein de couleurs différentes, c'est vraiment cool. Et je vous dis ça parce que la valeur de la fermeture est de 28 cm. C'est très compliqué de trouver déjà du 27. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir plus grand et de la diminuer après. Vous aurez également besoin de ficelles à passepoil. Vous aurez aussi besoin de 1,50 m de biais de la couleur de votre doublure, ou alors de quoi la fabriquer. Je vous conseille également de choisir un fil épais type cordonnet, comme pour les jeans, pour avoir de belles coutures. Et évidemment, par la même occasion, pensez bien à prendre des grosses aiguilles. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le lien du patron en taille réelle dans la description, et vous n'aurez plus qu'à aller en bas de la page et faire clic droit sur l'image et enregistrer sous. Et maintenant, vous avez toutes les clés pour commencer la sacoche. Let's go! Si comme moi, vous avez choisi un tissu imprimé, centré au maximum les motifs, la coupe est souvent négligée. Et pourtant, celle-ci est très importante et permet un rendu plus professionnel. La symétrie est très importante pour un rendu de l'ensemble plus cohérent. Faites concorder au maximum les motifs entre eux pour ensuite raccorder l'ensemble sur la machine. Les pièces en vert représentent les pièces à couper dans le tissu que vous avez choisi. Les pièces à couper dans de la doublure sont ici représentées en violet. Et en jaune, ce sont toutes les pièces qui sont thermocollées. Pensez à enlever les 1 cm de couture pour éviter les épaisseurs. Pour coller les pièces au fer, n'ayez pas peur de bien écraser les pièces de tissu et de rester au moins une dizaine de secondes. Et attendez que les pièces refroidissent avant d'y toucher. Faites un essai au préalable. Et vérifiez que le tissu est bien collé avant de poursuivre. Ensuite, passez au simili cuir. Si vous êtes à l'aise avec un cutter, coupez avec, mais tout dépend encore une fois de l'épaisseur. Sinon, coupez au ciseau. Évidemment, ne l'épinglez pas, mais tracez directement dessus. Une fois toutes vos pièces découpées, prenez la bordure cuir et le corps du sac. Faites des marques sur les angles de la bordure cuir que vous allez cranter par la suite, pour faciliter le montage au niveau de l'angle. Pour vous aider, créez un repère. Pliez la bordure en deux et faites un cran. Et faites la même chose sur le corps du sac. Et on peut enfin commencer à coulisser l'ensemble à 1 cm. Pour vous faciliter le montage, prenez un pied presseur fin, comme celui pour les fermetures mais du côté droit. Vous serez moins gêné par les plis que les angles vont créer.
Respectez bien chaque cran car ils permettent un montage cohérent. Ensuite, surpiquez la bordure du sac à 2 mm. Si comme moi vous avez du simili-cuir, faites attention, prenez bien votre temps car vous allez marquer la matière et vous ne pourrez pas découdre. Et finissez la surpiqûre en reprenant bien point dans point une fois terminé. Prenez la fermeture et les doublures de bordure fermeture, puis faites une piqûre maintien à 5 mm. Et assemblez la bordure de fermeture à 1 cm. Et surpiquez la bordure de fermeture à 2 mm. Et faites une piqûre maintien de la bordure de fermeture et de sa doublure à 5 mm. Puis, si comme moi vous avez une fermeture métallique, retirez les dents sur une longueur de 1 cm. Ou si vous avez une fermeture en plastique injecté, vous pouvez passer cette étape et coudre directement dessus. Puis faites une piqûre maintien en rapprochant les bords. Ensuite, munissez-vous du fond de sac et de sa doublure. Et assemblez l'ensemble à 1 cm. Et surpiquez uniquement le fond de sac à 2 mm. Et répétez ces mêmes opérations de l'autre côté. Puis faites une piqûre maintien de chaque côté du fond du sac à 5 mm. Ensuite, assemblez les bandes de passepoil à 1 cm. Puis ouvrez les coutures à la main et surpiquez-les à 2 mm. Puis prenez la ficelle de passepoil et insérez-la dans la bande et cousez au bord. Marquez le haut de la poche à l'aide d'une feuille de papier carbone et d'une roulette à patron. Et coulissez en suivant les marquages. Dégarnissez l'arrondi comme ceci, puis retournez. Et surpiquez uniquement le haut de la poche. Prenez la doublure d'eau et faites les marquages de l'emplacement de la poche. Et positionnez la poche selon les marquages en plaquant à 1 cm. Puis rabattez la poche et plaquez à 1 mm selon les marquages. Et prenez le dos du sac et faites une piqûre maintien tout autour à 5 mm. Prenez le passepoil et cousez-le tout autour à 1 cm. Lorsque vous arrivez dans les arrondis, crantez dans les angles. Et répétez l'opération avec le devant du sac.
Ensuite, on peut prendre le soufflet du sac pour l'assembler au devant à 1 cm. Ici aussi, quand vous arrivez dans les angles, crantez régulièrement les arrondis. Pour le montage du soufflet, aidez-vous des crans, ils sont vraiment très importants. Prenez la doublure devant et assemblez sur le sac à 5 mm. Puis faites une piqûre maintien de la bande de sac sur la tache bandoulière. Et coulissez la tache bandoulière à 1 cm. Et pour aider à retourner la tache bandoulière, je vais faire une piqûre maintien de la couture sur l'intérieur à 1 cm, puis retourner la tache bandoulière. Je vous conseille de repasser la tache avant de la surpiquer à 2 mm. Et faites une piqûre maintien sur le bord à 5 mm. Puis positionnez les attaches selon l'écran et faites une piqûre maintien sur le dos. Et plier les bandoulières à l'intérieur. On peut ensuite assembler le corps du sac à 1 cm. Pour vous aider à passer les arrondis, crantez régulièrement les angles. N'oubliez pas de bien respecter les crans qui se situent dans les arrondis. Assemblez le biais à 1 cm. Avant de commencer, repliez 1 cm sur le bord du biais. Et vous pouvez maintenant rabattre le biais à 1 mm.
Une fois fini, profitez-en pour couper les fils et vous pouvez réitérer la même opération pour l'autre côté. Une fois terminé, vous pouvez enfin retourner le sac. Faites attention de bien repousser les bords pour que le passepoil ressorte. Ensuite, on peut passer aux lanières. Et pour éviter qu'elles s'effilochent, j'utilise un fer à souder que je passe au rebord de la lanière. Et je peux enfiler la tache clip rapide. Et repliez le rebord de la tache et faites une couture en croisillon. Après avoir replié chaque côté du passant bandoulière à 1 cm, surpiquez à 1 mm. Et assemblez à 1 cm. Et vous pouvez le retourner et l'enfiler dans la bandoulière. Ensuite, assemblez la propreté de bandoulière à 1 cm. Ouvrez la couture à l'ongle et insérez la bandoulière à l'intérieur. Et faites une couture à 1 cm. Et vous pouvez maintenant retourner la propreté. Et rentrez 1 cm de la propreté à l'intérieur. Repliez la propreté et surpiquez à 1 mm. Je vous conseille de fondre tous les fils qui dépassent, car ils seront comme soudés et ne ressortiront jamais, et seront plus résistants. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et que le produit que je vous ai présenté vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes et même à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao! Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ma vidéo retraçant la vie de Pierre Balmain, ainsi que le tuto du sac Monster High de chez Fendi, ou encore le tuto du sac Inflation.